Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On vous rencontre aujourd'hui à la Valbourdine. Vous êtes le directeur d'un établissement qui a été repris il y a 2 ans par les apprentis d'Auteuil. Absolument. Pouvez-vous nous présenter cette structure ? Alors, apprentis d'Auteuil, ce sont environ 230 établissements répartis sur toute la France. Et la Valbourdine est le premier établissement dont apprentis d'Auteuil a repris la gestion il y a environ 2 ans. Dans le Var. Donc c'est la première structure varoise apprentis d'Auteuil. Quelle est la fonction statutaire des apprentis d'Auteuil ? Apprentis d'Auteuil, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, une fondation catholique reconnue d'utilité publique, qui a comme particularité de pouvoir recevoir des dons, des legs, des donations, et qui a comme centre d'action à la fois l'éducation et la formation. En l'occurrence, c'est un tandem qui fonctionne. Depuis sa fondation, depuis le début, depuis on va dire le père fondateur, c'est de créer des structures qui sont à la fois sur le versant de l'éducation spécialisée et en même temps sur le versant de la pédagogie, l'apprentissage des métiers. C'est vraiment la spécificité d'apprentis d'Auteuil, c'est d'adjoindre les deux. Mais pour autant qu'elle soit d'inspiration catholique, vous recevez tous les enfants. Absolument, on respecte stricto sensu les principes de laïcité républicaine. À la Valbourdine, par exemple, il n'y a aucune forme de prosélytisme qui est mis en œuvre, et loin de là, bien au contraire. En revanche, je dirais que c'est une des richesses fondamentales d'apprentis d'Auteuil, c'est de prendre en charge non seulement la dimension humaine, la dimension psychologique, éducative, familiale de l'individu, mais aussi de dépasser ça, et d'aller vers la dimension, on dirait, culturelle, spirituelle de l'autre. Et c'est une des grandes forces d'apprentis d'Auteuil, selon moi. Alors, on voit sur les images, ce matin, vous organisez, on va dire, une inauguration. Absolument. Mais ce n'est pas franchement une inauguration, puisque la structure existe déjà. Que s'est-il passé sur la Valbourdine ? En fait, la Valbourdine, c'est un projet qui a un caractère expérimental, en tout cas innovant, parce que les équipes sont pluridisciplinaires. C'est-à-dire que j'ai voulu faire, ça fait plusieurs années que je crois en quelque chose... très profond, c'est la nécessité de prendre les personnes en charge dans leur globalité. Et pour ça, on a une équipe pluridisciplinaire composée non seulement d'éducateurs spécialisés comme dans la plupart des établissements, mais aussi d'assistants de services sociaux, de conseillers en économie sociale et familiale, d'animateurs, etc., etc. Et en fait, la spécificité de la Valbourdine est pour nous le point d'entrée et le point de base, on va dire, de l'établissement. Donc il est clair que votre philosophie, c'est de permettre à ces jeunes de s'épanouir à travers une éducation. Absolument. Et en fait, inaugurer aujourd'hui, inaugurer un projet, ça aurait eu un caractère un peu incantatoire, puisqu'on était sur la base d'un projet innovant et totalement nouveau, non seulement sur le Var, mais quasiment nouveau aussi sur toute la France. Donc pour moi, l'idée que je défendais, c'est on va d'abord voir si ça fonctionne, on va d'abord voir si l'intuition de départ est bonne. Et ensuite, à partir de là, on va inaugurer. Et aujourd'hui, on inaugure une maison qui vit, une maison dans le climat social et paisible, une maison au sein de laquelle les enfants sont heureux. Même avec toutes les souffrances et tout ce qui trimballe sur leurs épaules, je dirais, il y a quand même des grands moments de bonheur à la Valbourdine. Et c'est ça qu'on inaugure aujourd'hui. On n'inaugure pas seulement un projet, on inaugure un établissement qui vit et qui a des réelles fondations. Qui n'est les fondations de la Fondation d'Auteuil, mais pas seulement. C'est une fondation locale, je dirais, qui a pris tout son sens depuis 2 ans. Eh bien, écoutez, monsieur, on vous félicite et on vous remercie. Je vous remercie infiniment. On a cité tout à l'heure Gandhi, qui était répété par le père Sérac. J'aime bien aussi une phrase de Gandhi qui dit « Faites-vous serviteur des petits et la paix viendra ». Dès que l'on se fait serviteur de ceux qui sont les plus petits, eh bien, c'est vrai qu'il y a un art de vivre ensemble qui se tricote et qui permet d'avoir des relations chaleureuses. Je suis ici ce matin un peu comme vient de vous le dire mon ami, mon grand ami Gilles Robèche. Tout simplement, avec vous toutes et vous tous, et je voudrais le partager, un serviteur de la solidarité. Vous savez, dans cette vie qui va vite, trop vite, très vite, lorsque parfois on a l'impression de dévier d'une route, on passe un petit moment avec Gilles Robèche et il a l'art, avec son cœur, par des paroles bien trouvées, de nous remettre sur le,
sur le bon chemin. Et Gilles, c'est sur le chemin que tu traces que je souhaite m'engager au service de cette ville. J'ai eu des responsabilités diverses et j'ai toujours dit dans des moments difficiles, en 2003, lorsque on a subi cette terrible canicule nationalement, que une société qui se respecte est, je crois que dans le pays des droits de l'homme et des libertés, nous devons respecter l'autre, une société qui se respecte et une société qui pense aux plus fragiles. En l'occurrence, c'est nos personnes âgées qui ont besoin de cette solidarité dont Gilles parle si bien et nos enfants, et notamment nos enfants en difficulté. Et vous voyez, c'est mon maître. J'écoutais Gilles parler de sourire. Effectivement, lorsque je visitais une maison de retraite et lorsque j'étais en contact de ce magnifique personnel, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui, comme vous le faites ici à la Valbourdine, travaillent au quotidien au service de la solidarité, je disais aux femmes et aux hommes que je rencontrais, vous savez, tout ne se mesure pas en moyens, tout ne se mesure pas en euros. Par contre, beaucoup de choses se mesurent avec le cœur. Et je disais aux aides-soignantes qui étaient là, aux infirmières, aux infirmiers, lorsque vous tapez le matin à la porte d'une personne âgée, croyez-moi, la chose la plus importante que vous allez leur donner, c'est votre sourire. C'est vrai que ce sourire est quelque chose d'important et d'essentiel. Et donc, effectivement, la Valbourdine a été de gestion communale. Et puis, j'ai la chance, dans cette chaîne de solidarité, d'être passé par le conseil général quelques années, près de 20 ans. Et donc, pas 20 ans président, hein, lorsque j'étais maire de Toulon, je me suis dit que, peu importe, c'est bien ce que vous a dit Gilles, il n'y a pas de président, de super maire, j'ai dit, mais quelle est la structure qui a la compétence, le plus de compétences, qui aurait les moyens de s'occuper de ces enfants en difficulté. Et donc, j'ai rencontré mon ami, le président du conseil général, Horace Lafranchi, et je l'ai persuadé de faire les efforts qui ont été faits et qui étaient indispensables de faire, efforts que vous relayez si bien avec vos compétences, avec votre compétence, monsieur le directeur, et tout le personnel, mais effort que vous relayez si bien avec votre cœur. Et j'ai eu le privilège de faire une petite visite, et je regardais votre visage, et je regardais vos expressions lorsque vous m'ouvriez les portes en me disant, ici c'est la salle où les parents ici c'est la salle où les parents se rassemblent, ici j'ai retenu, nous cultivons la normalité. Et je crois que cela est beau. La normalité dans les salles d'éducation, certes, dans la salle de rassemblement où les parents peuvent échanger, dialoguer, Gilles. Ce dialogue, ô combien essentiel et important. Et vous étiez fier de me montrer le potager. Ben, le potager, c'est l'image de la normalité. Ici, il y a des enfants normaux qui font ce que les autres enfants font. Il y a des parents normaux qui sont aux côtés avec leurs enfants. Il y a des éducateurs normaux qui donnent une grande partie de leur temps et une grande partie de leur cœur. Voyez donc, effectivement, nous sommes fiers, avec beaucoup d'humilité,
d'être ces serviteurs de la solidarité à vos côtés. Et je suis certain qu'on ne décevra pas le président de la solidarité, qui est mon ami Gilles Robèche. Voilà.